Let's go, pal. Salut les viewers, c'est Marcus Bonus. Et bienvenue à la présentation de l'épisode de Fallout 4. Donc, chers amis, nous allons faire comme prévu de... De la quête principale. Je me suis renseigné vis-à-vis de ma maladie, sans éviter trop les spoils. Apparemment, en fait, c'est un malus que je récupère, en fait, quand on ne finit pas, quand on donne le sérum à Austin. Donc, dans l'abri 81, du coup, je suis baisé. Je vais avoir moins 10%, moins 10 PV à chaque fois. Mais bon, malheureusement, on va devoir en faire avec. On va se téléporter au marché de Diamond City. On va aller voir notre cher ami Nick, Nick Valentine. Et enfin, nous allons avancer dans cette histoire principale durant cette petite session. Alors, après la Grande Guerre, ah, j'ai pas le temps de lire, dommage. Alors, bonjour, 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 c'est moi. C'est pas celui-là que je cherche. C'est pas celui-là non plus. C'est le 6 peut-être? Non, le 5. Ah, voilà mon flingue. Vous ne savez pas. Alors remarque, il est peut-être temps que je l'améliore. Nous avons tout. Faudra que je passe sanctuaire et l'améliorer avant qu'on parte. J'ai envie d'en faire un petit flingue sympathique, vous savez. Pas avec un viseur forcément, mais avec... Bonjour. Oui, je m'assois, excusez-moi. S'asseoir. Avançons dans la quête principale. Quand on essaie de retrouver quelqu'un, le moindre détail compte. Dites-moi tout ce que vous savez, même si c'est difficile. Décrire le meurtre, décrire l'abri. Ma femme a été... tuée. Elle a essayé de les empêcher d'emmener Sean et ils l'ont... Ils l'ont... Ça suffira pour le moment. Inutile d'en dire plus. Ah, t'es gentil. Donc affaire à des tueurs professionnels. Mais ils ont attendu que ça tourne mal avant de recourir à la violence. Vous pouvez m'en dire plus? On était dans un abri quand c'est arrivé. L'abri 111. Un genre de complexe cryogénique. Vous aviez été cryogénisé. Plus important encore, vous étiez confiné sous terre. Ça demande beaucoup d'efforts juste pour enlever une personne. Tout à fait d'accord. Tu vous me plais. Vous souvenez d'autre chose? Décrire les kidnappeurs. Il y avait un homme et une femme. Ils n'ont pas dit grand chose, mais... Je me rappelle les avoir entendus m'appeler le plan B. Une équipe restreinte, alors. Des professionnels, le genre qui lâche pas un mot de trop pendant une opération. Je me demande ce qu'ils voulaient dire. J'aimerais vraiment un skin pack pour les personnages. Ils méritent tous une meilleure peau. Et principalement, les ghouls et les synthétiques comme Nick. Ils méritent un 4K sur sa skin, quoi. On est à la recherche de mon fils, Sean. Il n'a même pas un an. Pourquoi enlever un bébé? Bonne question. Pourquoi votre famille et pourquoi un enfant? Ces ravisseurs vont devoir s'en occuper. C'est plus un bébé à mon avis. Ça confirme mes craintes. C'était pas un hasard. Votre fils a été enlevé dans un but précis. C'était pas un bébé, c'est plus un bébé maintenant. Les kidnappeurs qui manquent dans le Commonwealth. Depuis que t'es... Les pillards, les super mutants, les artilleurs, sans parler de l'Institut. C'est pas des super mutants, les super mutants. Les super mutants? Qu'est-ce que c'est que ça? Grand, vert, tout en muscles. On peut pas dire qu'ils passent inaperçus. Alors, je pense qu'on peut les écarter. Ouais, je pense aussi. Qui sont les artilleurs? Des mercenaires surentraînés, le genre qui ne recule devant rien. Ils sont en bonne place sur la liste des suspects, mais ils n'auraient jamais agi sans commanditaire. Ouais, je comprends. Les pillards, c'est pas la peine, l'Institut, par contre. Vous pensez que c'est l'Institut qui a fait le coup? Disons que c'est un peu le croque-mitaine du Commonwealth. Dès qu'il se passe quelque chose, tout le monde accuse l'Institut. Rien d'étonnant. Leur premier modèle de synthétique désosse des villes entières pour récupérer des matériaux et massacre tout sur leur passage. Et il y a les modèles plus récents, impossibles à distinguer des humains, qui infiltrent les villes et tirent les ficelles dans l'ombre. Le pire, c'est qu'on sait même pas pourquoi ils font ça, ni où ils se cachent. Même moi, un synthétique, j'ai aucune information. Enfin, je suis qu'un prototype mis au rebut. Vous êtes un prototype? Vous êtes un prototype? Je crois bien, oui. J'ai jamais croisé d'autres synthétiques comme moi.
Il y a les vieux modèles tout en métal avec une IA de dinosaure et les nouveaux qui sont pratiquement humains. Moi, je suis entre les deux. Trouver Sean. Quoi qu'il en soit, je dois retrouver Sean. Vous avez raison. Inutile de se perdre en suppositions. Concentrons-nous plutôt sur ce que vous avez vu. À quoi ressemblaient les ravisseurs? Oh putain. La femme portait une espèce de combinaison étanche. L'homme, il avait une sorte d'appareil en métal sur le bras. Une protection improvisée, peut-être. Beaucoup de porte-flingues en ont. Ils pensent que ça leur donne l'air coriace. Intéressant, la combinaison. Pas le genre de matos à la portée du premier mercenaire venu. Vous vous souvenez d'autre chose? Je n'oublierai jamais cette voix. Grave. Rugueuse. Comme si on vous passait du papier de verre sur les tympans. C'est léger, mais une voix forte, ça peut toujours servir quand on veut faire son trou dans le monde du crime. Quoi d'autre? Chauve et balafré. Attendez, c'est quand même pas... Vous avez pas entendu quelqu'un prononcer le nom de Kellogg, hein? Peut-être. Je ne sais pas. J'étais dans le brouillard. Un peu trop gros pour être une coïncidence. Ouais. Ellie, tu peux regarder ce qu'on a sur l'affaire Kellogg? La description correspond. Crâne rasé, cicatrice, mercenaire impliqué dans des missions dangereuses. Mais personne ne sait qui l'emploie. Il a acheté une maison ici, c'est ça? Ah, j'ai déjà pillé sa maison. Il avait aussi un enfant avec lui. Oui, oh, putain. C'est ça. La maison des gradins ouest abandonnée. Le garçon qui l'accompagnait devait avoir 10 ans. Et oui, j'ai donc dormi 10 ans. C'est Sean. C'est Sean. C'est forcément lui. C'est sûr. Ne vous emballez pas trop. Je croyais que vous cherchiez un bébé. Ça fait quand même 9 ans de différence, là. Ça pourrait être son propre fils. Ou le gamin de quelqu'un. Non, non. En tout cas, ça fait un moment qu'ils ont pris la tangente. On va aller faire un petit tour à l'ancienne adresse. Non, non, il m'a recryogénisé derrière. On trouvera peut-être quelque chose d'intéressant. Avec le truc au milieu qui reste. Je ne m'aventure pas trop dans ce quartier, mais soyez quand même prudent. Je le suis toujours. Ah, il est classe. Suivez Nick. Kanigou, suivez Nick. On y va. J'ai déjà pillé sa maison cependant. Hein. Mais c'est forcément chaud. En fait, on a été recruté. T'es un rapide. On a été recryogénisé. Allez, je suis. Dis donc, t'as quand même une sale gueule. Hein. Je comprends pas que les gens. Enfin, vu que t'es un satellite. Je voulais pas en parler devant Ellie. Il faut que je vous dise une chose. Tout ce que j'ai pu déterrer sur Kellogg avant sa disparition sent mauvais. Oui, mais enfin. Très mauvais. Ils aiment pas c'est les satellites. C'est plus qu'un simple mercenaire. J'ai l'impression de pouvoir enfin réfléchir clairement. Il est rapide, efficace. Il ne laisse jamais rien au hasard. Il n'a pas d'ennemis parce qu'ils sont tous morts. Sauf vous. Je vous parie à 10 contre 1 que c'est notre homme. Vous avez reconnu quelques-uns de ses traits distinctifs, et le mode opératoire correspond. C'est du Kellogg tout craché. Mais d'accord, on a bien été recongelés derrière. Et laisser l'un des parents vivant pour plus tard. Je connais pas beaucoup de mercenaires capables de monter un coup pareil. Je me rappelle plus la touche pour marcher, c'est chiant. C'est Caps Lock, exact. Mais le truc, c'est que je suis pratiquement sûr qu'il m'a recongelé derrière ce sac. Je t'en prie, vas-y. C'est Noël. La porte est même pas verrouillée. On entre. Oui, c'est... Oh, Valentine. Donnez-moi une seconde. Je l'ai... C'est-à-dire que je l'ai... pillé. Je suis désolé. Faisons le tour du propriétaire. Kellogg a peut-être laissé traîner quelque chose. Du scotch. C'est petit, du non scotch, je prends. Je pensais que les types comme Kellogg voyaient plutôt les choses en grand. Le truc, c'est que j'ai déjà fouillé cette maison et il n'y avait rien. Rien d'intéressant ici. Vous avez fouillé le bureau? Ouais. Il y a quelque chose qui cloche. Bouton, putain. Essayez de trouver ça alors. Dans le genre compartiment secret, c'est du lourd. Oh la gueule. Ouais, gardez-moi ça. Tout l'attirail du parfait petit mercenaire. De la Gwinnett Stout, des munitions calibre 44, et des cigares San Francisco Sunlight. Elle est pas mal cette marque. Par contre, ça va pas nous mener loin.
Attends, il y a de l'eau purifiée à chier. Attends. Hop. Pensez à récupérer les munitions de lance-flammes un maximum. Vous avez pris un coup sur la tête? Je connais ça. Ah, c'est parce que je suis malade qu'il me dit ça. Putain, s'ils se mettent tous à me dire ça, ça va être chiant. Canigou. Canigou, là, viens là. Oh putain. Vous avez craché le morceau? Utilisez Canigou. Je me demande si Canigou pourrait pister l'odeur. Hé, hey, pas bête. Certains chiens du Commonwealth sont capables de flairer un homme à des kilomètres. Canigou a l'air d'accord. Essaye-le donc renifler ça. Il réussira peut-être à pister l'odeur. Juste une chose. Je sais que c'est une affaire personnelle. Si vous préférez retrouver Kellogg vous-même, dites-le. Je comprendrai. Vous avez un bon conseil à me donner? Si c'est bien Kellogg qui a enlevé votre fils, il est dangereux. Mais vous aussi. Vous n'avez aucune raison d'avoir peur de lui, ni de tout ce que le Commonwealth pourra mettre sur votre chemin. Oh, il me plaît. Je pense que je téléchargerai un mode, chers amis, pour avoir Canigou et Nick avec moi. Ouais. Venez avec moi. J'ai besoin de votre aide, Nick. Perçu. On va le retrouver, cet enfoiré. À partir de maintenant, c'est vous qui prenez les commandes, d'accord? Je suis à vos ordres. Canigou, non! Non! Canigou, non! Pas ça! Ne t'en va pas, Canigou! Pitié! Canigou, vas-y, sens-moi ça. Oh, ils auraient pu le mettre. Trouve Kellogg. Vas-y, mon grand. Trouve Kellogg. Retrouve cette ordure. Hop, un instant, je vais virer des choses. Genre le coca que j'ai pris. C'est parti. Quoi ? Alors, un instant, chers amis. Un instant. Hop, sauvegarde. Crac. Je reviens. Re. Bah, bla. Il s'est passé quoi? Re, bah, chers amis, écoutez. On va refaire un chargement, c'est pas grave. Hop. J'ai déjà appuyé sur F10 en même temps. C'est ça. Hop, on y retourne. Alors. Go, Canigou, go. Répétez après moi. Cogneuse, les cogneuses, ça cogne fort. Franchement, ça a amélioré mon éventreur aussi. Eh, vas-y! Traque-moi cette... racaille, pardon. Allons-y! Le centre scientifique a joué un rôle déterminant dans la matière d'électricité, de la robotique et de l'agriculture à Diamond City. L'agriculture? Ah, si, ils ont dû faire des plantations un peu plus résistantes, sans doute. Plantation de fruits mutants, par exemple. On va bientôt passer au level 28, chers amis, on en profitera pour augmenter encore une fois les dégâts des armes. C'est extrêmement important de le faire. Qu'on puisse avoir au moins un DPS intéressant, si on n'a pas la résistance intéressante, au moins avoir les dégâts qu'il faut. Hello! Bah merde! Qu'est-ce qui t'arrive, Canigou? Tout ça pour avoir un sucuc? Je te suis, vas-y. Allez, roule! Mais il est si peu loin de Diamond City pour que tu puisses le sentir, même sous la flotte? Il paraît qu'il est parti depuis un bail, mais on dirait pas. Hein. Où ça? Cherche! Nick? Commandez. Ouh. Cherchez des indices maintenant à Kellogg. Kellogg a dû s'arrêter ici. Inspectez les lieux, il faut retrouver la piste. Oh!
San Francisco Sunlight. Vous avez quelque chose, Canigo ? La marque préférée de Kellogg. Ok, mon grand. Suivons sa trace. Allons-y. Je te suis, mon pote. Vous voyez, Canigou, c'est le meilleur. Qui est là ? Hop, oh, personne. Tu n'as rien vu, rien entendu. Il va falloir que je mette des silencieux sur certaines armes, chers amis, par contre. Attention, il y a sûrement des ghouls dans le coin. Putain de râteau. Kenigou attaque. Saloperie. À l'avenir, évitez de sous-estimer. C'est vrai que ça peut servir. Épée d'officier chinois de cavalier. Oh, intéressant. Ah, je suis trop lourd. Merde, c'est vrai. Peut-être de la bouffe à prendre, non? Hop. Manta orange, mouche bouffée grillée. C'est vrai que j'ai une chier de conneries sur moi. Hop, le faux filet je le garde parce que la quantité de trucs que ça redonne, c'est carrément intéressant. Hop, voilà. Une fois qu'on aura retrouvé la piste, on ira se préparer. Oh, ça sent les ghouls. Trouvez pas. Quel goût. Oh. Canigou. Je l'aurais jamais vu sans toi. Oh putain. Un pillard. Ah. C'est chiant. Non, l'alcool, je le garde. J'ai pas une tenue qui me fait chier, qui sert à rien. Parfait. Voilà. Et une arme moisie. Ah mais elle rapporte plein d'argent celle-là, j'ai pas envie de la vendre. J'ai envie de la vendre justement. Changer de deux, tant pis. Oh merde, c'est Kellogg. Un autre refuge de Kellogg, on dirait. Ouvrez l'œil. Pousse-toi. Canigou. Des bandages couverts de sang. Il a un flair de champion. Canigou devrait pouvoir suivre cette piste. Bien sûr qu'il a un flair de champion, c'est mon chien. Alors mon grand, on va pouvoir continuer. Oh, qu'est-ce que c'est? Steampack. T'es à moitié dans le sol, c'est pour ça que je l'ai pas retrouvé. Enfin, que j'ai pas reconnu. Hop. En plus, dans le brouillard, c'est sublime, je trouve. Quelle heure il est? Lance dans carte. 11h du matin. Saloperie de cabot. Canigou, bouffe. Canigou, mange du chien. Je te suis, mon pote. What?
Aïe. Nick. Trinity. Aide-moi. Je suis obligé de prendre. Je suis obligé de prendre, donc là ça va pas le faire. Tant pis, je bois. J'ai besoin de boire de toute façon. Allons-y, Ganigou. Allons-y. Il y a quelque chose dans les parages. C'est quoi ça? Il m'a fait mal. Remarquez, c'est pas comme si c'était possible. Je voulais la prendre. Ah, oh, c'est casse-couille. Ah, par contre, il va vraiment falloir que je change de ton arme, mon très cher Nick. Hein. Il va falloir que je trouve un deuxième. Ah, oh, bah non, 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 non. Steak d'écorcheur. Écoute, on prend un steak d'écorcheur. Nick. Hey. Je vais voir ce que je peux échanger. Oh, je peux lui donner des choses. Tiens, mets ça, Nick. Équipe. Tu peux pas équiper? Oh, t'es nul. T'es nul, Nick. Je peux faire. Tu l'as équipé? Ah, oh, Nick. Bah alors. Yo. C'est là qu'il y avait eu les ghouls, non? Non, c'est pas là qu'il y avait eu les ghouls. Oh. Ça fait très secret tout ça. Attendez. Bien, Ganigou a trouvé quelque chose. Vous connaissez le topo. De la Gwyneth Stout. Un de ses petits plaisirs. Ah, il l'a trouvé un. T'as retrouvé la piste, Ganigou? Ouais. Alors, mon grand, on va pouvoir continuer? Allons-y, alors. Hop! Oh, j'aime pas cet endroit. Si je devais faire un piège à quelqu'un, ce serait sur un pont. Il est facile d'en couper les deux extrémités pour empêcher la fuite. Et pour peu qu'il y ait une grande zone comme ça, on peut très bien tirer sans trop avoir de protection. En tout cas pour celui qui s'y balade. Qu'est-ce que je disais? Ah, ça va chier. Quelqu'un approche. Il en reste plus. Si, si, il en reste. Oh putain. Saloperie de cannibale. Hop. Maintenir tape pour ouvrir le truc des aptitudes. Alors, on peut pas mettre plus de dégâts dans les fusils. On va mettre un peu plus dans la résistance. L'inciter à attaquer quelqu'un d'autre, non. Ah, oh, ça pourrait être stylé par contre. Ah, ce sera à voir ça plus tard, chers amis. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va prendre ça. Ça va être un petit peu plus sanglant, comme ça on va s'éclater, littéralement. Ce serait dommage de gâcher ça, pas vrai? Ouais, les gens de métro m'intriguent, je l'avoue. J'en ai trouvé en grande quantité. Et je suis curieux. Je crois qu'on n'est pas seul. Bonjour.
Alors avant de faire quoi que ce soit, ma très chère amie. Ah bon. Tiens. Lance-missile dépendance. Nick. Hey, je vous écoute. Éclate-toi. Voilà. Éclate-toi avec un lance-missile. Ah, cette blague. Hop, on va le fermer. Par contre, s'il y avait une goule... Qu'est-ce que je disais? S'il y avait une goule ici... Oui, c'est pas grâce à toi, Nick, hein. J'ai connu des gens plus efficaces. Bonjour. Esprit, es-tu là? Bah merde. T'as tiré au lance-missile? Ah non, c'est le camion là-bas qui a pété. Pourquoi pas? On est où au fait sur la carte? Eh ben, on n'aura pas découvert grand chose. Attention, assaillant. Vos armes immédiates. Bon sang, ça a défouraillé sévère ici. Vito, cri, alerte, signe. Hop. Mercenaires recherchés. Qu'est-ce que tu caches? Juste un instant. Je suis à 292, putain! Ragout d'iguane. Parce que le ragout d'iguane, c'est la vie. Du bordel, rien d'intéressant. T'es où? Attention, assaillant. Vos armes. Hé, dites-moi tout. Deux secondes. Tiens, prends ça. Oh! Qu'est-ce qu'on a là? Erreur. Système corrompu. Je ne sens plus mes jambes. Effectivement. Qu'est-ce qui s'est passé ici? Erreur. Opérateur décédé. Niveau de menace Oméga. Il nous a tués. On est toujours sur la bonne piste. J'espère qu'il est plus très loin. Ok, on t'entend pas des masses, Sonic. Hein. Ah, ah, ah. J'aimerais bien avoir un laser au tronc de ces quatre aussi. Ils sont méga cool. Wow! Oh non! Il a pas l'air content. Oh non! Non! Pas toi! Aïe! Putain! Sac à merde! Ah! J'ai testé cette saloperie. Ah, j'ai encore 5 de trop! Viens là! Attention! C'est quoi le plan? Échanger! Prends ça! Ça! Ça, ça, ça. Il m'en reste encore, putain. Annulé. Voilà. On y va. Allons-y, Canigou. Canigou. Alors. Oh, je le sens pas. Pourquoi on quitte la route, Canigou?
Kenigou, j'aime pas ça. J'aime pas être guidé par un chien qui m'envoie dans l'inconnu. Je t'aime, Kenigou, mais tu me fais peur, là. J'aime pas ça. M'a déjà emmené sur des écorcheurs, j'ai l'impression que t'as plus envie de te faire tuer que... Ou t'as envie de bouffer un petit peu tout, en fait, c'est ça le truc. T'as bouffé du crabe, t'as bouffé du chien, t'as envie de bouffer de l'écorcheur. Je te comprends, mais... T'auras peut-être droit à ton steak après, mais... C'est pas... Le but, c'est pas de lui emmener tout le temps. Mais compris que t'aimais bien que je te laisse bouffer, hein. Comme toutes les bêtes, hein, si t'es nourri comme il faut, t'aimes bien manger, hein. Oh. On approche du but, je le sens. Fouillez partout. On est à l'ancienne base de l'armée. C'est ici qu'il se cache? Ce serait bien son genre. Kenigou? S'il y est caché, il y aura laissé des défenses. Forcément. Je pense. Mais on est à Fort Hagen. Encore? Putain, j'espère que je l'ai pas buté. Mais c'est nul. On y est? Kanigou, il est là? Je savais que Kanigou allait retrouver notre homme. Mais... On va prendre la suite, vous et moi. Notre ami quadrupède a bien mérité un peu de repos. Alors là, je suis pas tout à fait d'accord. Bethesda, vous faites de la merde. Plusieurs endroits, enfin plusieurs missions qui mènent au même endroit. Je trouve pas ça top. Mais alors pas du tout. Bon, on va aller ramasser tout ce bordel, on va trouver une meilleure arme pour notre Nick. Je sais exactement quoi lui donner, vous inquiétez pas. Alors, R, transfert. Hop, déjà ça. Est-ce que Kenigou est rentré du coup? Vous savez quoi? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, à Sanctuary, parés pour l'avenir. Cutsworth là-bas. Alors, fabriquer. Pendant que vous bricolez, je vais lancer quelques diagnostics. Prenez votre temps. J'aurais pu faire ça si j'avais un peu plus d'aluminium. Là aussi. Donc l'aluminium. Marqué pour recherche. Est-ce que je peux en marquer plusieurs pour la recherche ou pas? Il va me falloir beaucoup plus d'aluminium. Ah oh, putain, il y a un putain d'orage. D'accord. Ils m'ont pas dit grand chose chez Voltech. Juste de m'assurer que tout le monde remplisse bien son formulaire. J'étais censé gagner un jeu de couteau à viande. Merde, on n'a pas assez d'aluminium, c'est casse-couille. Mais non, je peux puiser de l'eau. Fabriquer. Il m'a fait un 44 à lunettes. Et qu'il est con. Voilà. Hey! Attention. Je peux faire. Tiens, alors attends. Je te prends tout. Quelque chose pour vous? Prudence. Hop. Allez-y. Je te donne. Ceci. Amuse-toi bien. Au niveau des armes. Ça je donne. Ça je donne. Reba 2. M'intéresse pas. Lance-missile. M'intéresse pas.
43, celui-là en fait 45, il fait plus de dégâts. Hop. Le point assisté, trop courte portée. Le pistolet gel, je l'utilise pratiquement plus. Mais bon, niveau munitions, il faut mieux que j'en ai toujours un sur moi. Clan de balle est extrêmement efficace, mais a une portée complètement réduite. Donc peut-être à l'améliorer. On a de quoi l'améliorer. Ouais, pour ça il faudrait que j'ai un canon long. Et il me faut encore plus d'aluminium. Ouais, ouais, ouais. Il y a le temps, hein. La situation commence à s'améliorer, vous savez. Je le sens. Hop. Ok. Ok. On va l'appeler le parce que c'est un pompe automatique. Non, c'est un pompe laser glace. Le lance-glaçon. Attendez. Voilà. Le lance-glaçon. Bon, on va peut-être pas dû le mettre tout en... Bon, c'est pas grave. Il lance pas, mais on va remplir la... Bah oui, l'insecticide, on va l'appeler le... Un instant. On va regarder. Oh, j'ai trouvé. Alors. Pas le renommer, ah si, ça y est. Oui. Mince. Voilà. Parfait. Vous savez quoi? Depuis notre conversation. Oui, j'ai bien compris, tu te sens beaucoup mieux, c'est cool. Elle est cool, ta vie. Je me sens pleine forme. Ensuite. On va se rendre au Drumlin Diner. Alors, on va essayer d'y vendre un petit peu de choses. On va acheter d'autres petites choses aussi, si possible. On verra bien ce qu'on peut y faire. Alors. Le magasin est ouvert. Qu'est-ce que ce sera? Troqué. J'ai quelques minutes pour jeter un... Que de la récup. Alors. Hop. Ensuite. Excusez-moi, j'ai pas eu le temps de mettre le mute, il m'est venu tout seul. Ouah, il vient de loin. Ouah, t'es tout vert. C'est moche.
Donc on va essayer d'aller faire un petit peu de bouffe. Une fois qu'on aura fait la bouffe, on espérera que Kenigou soit rentré. Hop. Essayez de pas vous couper un doigt. Un bol de nouilles. Ok. Parfait. Et on est bon. Alors. Ce côté-là, c'est pas trop mal. Maintenant, j'aimerais retrouver Kanigou, ce serait cool. Je vais lui mettre une niche quelque part, je pense. Vous savez quoi? Depuis notre conversation, je me sens en pleine forme. Nous deux, un sanctuaire. Mobilier. Pour l'avenir. Est-ce que ce sera là-dedans? Non. Divers. Ah. Apparemment, c'était pas là-dedans. Table. En plus, j'imagine que ça va pas être dans table. Non. Structure, peut-être. Structure bois. Non. Non plus. Structure d'hiver. Non plus. Peut-être là-dedans. La niche. Ça y est. Faut pas la mettre par là. Ok. En espérant qu'elle lui plaise. Ah, ah putain. La crapule. On va attendre un petit peu. Je vais faire une ellipse. On va attendre qu'il revienne. Qu'on puisse le vider et récupérer tout ce qu'il a sur lui. Heureux, chers amis. Alors, j'ai réussi à récupérer Kanigou avec beaucoup de difficultés. Hein. En fait, il était perdu dans l'immensité du Commonwealth. Mais littéralement perdu. Hein. C'est-à-dire que j'ai attendu plusieurs jours avant que ça se passe et rien du tout. Donc, j'ai fini par refaire une sauvegarde rapide, revenir en arrière. Et le récupérer, hop, alors j'aimerais juste transfert, hop, tout stocker. Au niveau des armes, on a une chier de choses à rentrer aussi. Hop, le mousquet laser qu'il faudra qu'on améliore. Ça pourrait être pratique aussi. Ça on peut le mettre, le rouleau à pâtisserie on l'a viré. Fusil de chasse, rapidité on le vire, sentinelle on le vire. Donc déjà ça au niveau de l'équipement, on est vous bien, on a gagné de l'espace. Depuis l'autre. Hop, Militia Hat, on le met, Red Bandana, on le met. Caméléon Brassard, on le met. Hop, vous inquiétez pas pour le Red Bandana, j'ai bien compris qu'il fallait pas que je le mette. Hein, je me sens en pleine forme. Voilà. Nous deux, à Sanctuary, paré pour l'avenir. Ah, je pensais qu'il y en avait des mieux que ça. Hop, on va prendre celui-là. Kanigou. Vous imaginez ce que c'est de vivre pendant deux siècles avec cette tête de zombie? Kanigou. J'espère que vous retrouverez votre fils. Non, moi c'est mon chien que je cherche. Ah, un instant. Heureux, chers amis. Alors, il semblerait qu'en fait, Kanigou veut toujours aller en fait à Foragun. C'est ça que j'ai beaucoup de mal à le garder avec moi, même quand je le fais équipe. Cependant, on va essayer autre chose. On va essayer autre chose, chers amis. C'est-à-dire qu'on va essayer une console, donc commande console. Vous allez pouvoir voir celle que j'ai utilisée pour le ramener sans cesse. Alors, la commande de console, en fait, me permettra d'avoir deux PNJ avec moi via un mod.
Donc, alors, cette console quest. Non, scope quest, pardon. Scope quest Nick. Voilà. Force ref into alias Nick. Hop. Set player team mate. Je sais pas si j'utilise. Ouais, c'est bon. 1. Donc à mon avis, via d'après ce que je comprends de la console, c'est qu'en fait j'utilise. J'ai du mal à traiter ce Nick. On reprend la route. Excusez-moi si je dis parfois des choses incompréhensibles. Je vais tâcher pas marché de m'améliorer. On reprend la route. On avance. Bon, d'accord. C'est bon, mon grand. Je prends le relais. Ah bah non. Hey. J'aime les modes que j'installe et qui ne marchent bien, pas. Il est temps. Ok. Sanctuary. Ok, alors on va essayer autre chose. Hop. Bat Nick. Ne marche pas non plus. Donc le mode en fait que j'ai installé ne marche pas du tout. Et bien écoutez les amis, sur cette fin dévastatrice qu'on va se laisser, merci d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à la pouce vériser, la commenter, la partager, vous abonner, rejoindre le groupe Steam Joueurs de la Ferrue, pour faire tous les liens dans la barre de la chaîne, n'hésitez pas à cliquer dans le descriptif de l'épisode et en partenaire gamesmite.com qui m'a gracieusement fait le jeu, et je les en remercie. Tout comme je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, c'était Marcus Bonus dans la Playroom, à plus pour d'autres aventures, salut les gens.